Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto piano facile. On va voir comment accompagner le morceau Ed Sheeran Perfect au piano. Et vous allez voir que c'est très simple, déjà même si vous êtes débutant, de commencer à jouer des accords, de commencer avec un rythme très simple à accompagner ce morceau. Vous pourrez ainsi, par exemple, jouer donc les accords avec une rythmique simple et puis chanter en même temps, ou bien accompagner un chanteur ou une chanteuse, ou bien tout autre instrument qui va jouer la mélodie. Donc on va voir un rythme très simple et une façon d'accompagner très simple avec des accords simples, une façon un petit peu plus complexe d'accompagner ce morceau donc de Ed Sheeran Perfect et une troisième version plus riche. C'est parti, je vous montre les accords et le rythme de cette première version ultra basique. Alors c'est un morceau qui est en la bémol majeur. Donc tous les accords seront issus de cette tonalité-là. On va penser le morceau en 12-8, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vous montre déjà les accords. On a la bémol majeur, donc la bémol, do, mi bémol pour les notes. On a ensuite fa mineur, donc fa, la bémol, do. On a ensuite ré bémol majeur, ré bémol, fa, la bémol. Et enfin, on a un accord de mi bémol majeur, mi bémol, sol, si bémol. On va jouer à la main gauche des octaves, donc de chaque fondamentale des accords, c'est-à-dire que pour la bémol, on va jouer la bémol, comme ça, en octave. Pour fa mineur, on va jouer les fa à l'octave, comme ceci. Ensuite, pour ré bémol, on va jouer ré bémol à la main gauche, en octave. Et enfin, mi bémol, on va jouer mi bémol à la main gauche en octave. Donc ça va nous faire ceci pour le rythme, très simple. On va marquer les temps à la main droite et on va faire des valeurs longues à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le début du morceau, c'est aussi simple que ça. Et on va reprendre donc cet enchaînement-là deux fois. Alors vous voyez, si on joue la mélodie, par exemple, ça nous fait la bémol, fa mineur, ré bémol et mi bémol. Je reprends la bémol, fa mineur, ré bémol et mi bémol. Et on arrive ici. Donc si vous avez envie déjà de jouer quelque chose de complet et très simple, c'est-à-dire donc l'accompagnement plus la mélodie, vous pouvez jouer les accords à la main gauche et inclure la mélodie à l'aide de votre main droite qui est complètement libérée du coup, puisqu'on joue les accords à la main gauche. Alors pour apprendre la mélodie, je vous invite à utiliser la fonction que propose le lecteur vidéo de YouTube, qui est de ralentir la vidéo. Donc vous allez dans la petite roue crantée en bas à droite de la vidéo. Et vous allez dans vitesse et vous choisissez une vitesse plus lente pour voir dans le détail comment je joue la mélodie, donc les notes qui sont jouées, et comment je synchronise par rapport à cette mélodie mes accords qui sont joués à la main gauche. Mais si vous accompagnez uniquement un chanteur, une chanteuse ou tout instrument qui va jouer la mélodie, ou si vous-même vous chantez, vous allez jouer uniquement les accords. Hein. Donc pourquoi pas donc pour ce premier exemple, à la main droite, et la main gauche va jouer eh bien, les fondamentales de chaque accord, hein, pour qu'on ait bien sûr eh bien, des basses dans notre morceau, parce que quand on accompagne, eh bien, on exploite les basses et les médiums principalement, et la mélodie, ça va être plutôt les aigus. Donc on arrive à la seconde partie du morceau, avant le refrain. Donc je vais vous montrer l'enchaînement des accords qui est légèrement différent. Je vais vous le montrer avec la mélodie, donc jouer à la main droite et les accords à la main gauche. Donc on en était ici. Et là, la bémol,
Fa mineur, là rien ne change. Ré bémol. Et là, La bémol pendant deux temps. Et Mi bémol pendant deux temps. Ça reprend. Fa mineur. Ré bémol. Et là, on est directement sur Mi bémol. Et on arrive ici sur le refrain, Fa mineur. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, déjà, vous pourrez vous amuser à jouer la mélodie, hein, comme je viens de le faire. Et donc, pour revenir en mode accompagnement, donc pour cette deuxième partie du morceau, on va donc tout simplement faire comme la première partie. On va jouer donc les accords à la main droite et on va jouer les fondamentales en octave à la main gauche de chaque accord. Donc là, on a dit, attention, deux temps de La bémol et deux temps de Mi bémol. Ça reprend. La bémol. Fa mineur. Ré bémol. Et là, cette fois-ci, une mesure complète de Mi bémol. Et on arrive sur le refrain. Ce sera un Fa mineur. Alors pour le refrain, on va enchaîner les mêmes accords, mais un petit peu différemment. On va commencer par jouer deux temps de Fa mineur, deux temps de Ré bémol majeur, deux temps de La bémol majeur et deux temps de Mi bémol majeur. C'est tout et on va enchaîner ça plusieurs fois. Alors je vais vous montrer avec la mélodie et puis après on va le faire en mode accompagnement basique. Donc on arrive ici sur le refrain maintenant. Donc, en mode accompagnement ultra basique, on va jouer, comme tout à l'heure, les accords à la main droite et les fondamentales en octave à la main gauche. Donc ça nous fait... ici sur la fin et on a une petite suite harmonique pour réenchaîner ensuite sur le deuxième couplet. Donc je vous montre cette suite harmonique un petit peu plus complexe. Donc cette suite harmonique, ça nous fait La bémol majeur pendant un temps. Ensuite on va faire un Mi bémol, mais on va le renverser, c'est à dire qu'on va pas le jouer Mi bémol sol si bémol, on va jouer à la basse un octave de sol. Hein, sol faisant partie de cet accord. Et à la main droite, on va mettre le Mi bémol qui est là, une octave plus haut. Comme ceci. Donc La bémol, Mi bémol basse de sol. Hein, l'accord est renversé. Ensuite, on va jouer un Fa mineur. Ensuite, un Mi bémol majeur. Ensuite, un Ré bémol majeur pendant deux temps. Et un Mi bémol majeur pendant deux temps. Donc ça nous fait un temps, un temps. Un temps, deux temps. Et ensuite, ça reprend sur le deuxième couplet. Donc, et ce sont exactement les mêmes accords que l'on a vu donc, au début de ce tuto de Ed Sheeran, donc Perfect au piano. Donc maintenant, on va voir une façon d'accompagner un petit peu plus complexe.
Pour aller plus loin dans l'apprentissage du clavier, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous accéderez ainsi à un cours complet et gratuit qui vous permettra de progresser efficacement au clavier. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos piano faciles.